Allô tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir le générateur de pierre, mais pas n'importe quel générateur de pierre, le générateur de pierre double. Celui qu'on a l'habitude de faire est celui-là. Aujourd'hui nous allons voir comment faire ceci et non cela. Mais on va aller voir un peu ce, ici quand même, le principe. Ici, le principe c'est que vous avez votre source d'eau. Je sais, il y a un bloc plus ça creuse. Ça va être là, à peu près le même principe. Ici, la différence c'est que il y a la lave, il y a un autre bloc là, et il y a le trou. Juste pour pas que l'eau pogne la lave. Si je mettrais un bloc ici, la lave deviendrait de l'obsidienne. Et c'est pas ça que l'on veut. Avec cette méthode là, on peut aussi perdre de la pierre. Sachez que celle-là aussi, on peut autre méthode, on peut toujours en perdre, mais c'est une autre façon de faire. Commençons. En gros, on a besoin de cet espace-là, donc, que je vais faire ceci, juste pour pas qu'il neige. On a besoin de ceci. On va faire le patron. Bon, juste avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a besoin de 6, pratiquement 6 par 6. Mais on enlève un carré de 3 par 3. On peut toujours définir un carré de 6 par 6 en enlevant en arrière un carré de 3 par 3. Moi je le fais à la surface, on peut bien le faire en dessous dans la terre, ça n'a peu d'importance. Commençons. En gros, on fait le contour complet de cette façon pour pouvoir commencer à faire les traces. Ici, vous voyez ce bloc-là, où que je suis dessus, on peut le laisser là. Mais préférablement, c'est mieux de mettre de l'obsidienne, vu que l'obsidienne est plus solide. À partir de l'obsidienne, on a besoin de deux carrés, ici, d'un côté et de l'autre. Jusqu'à là, ça va. On va faire tout de suite en affaire, pour automatiser aussi le tout. Juste pour vous dire, ici, l'entonnoir, le coffre, peu importe ce que vous faites, tout objet dont on clique et ça fait quelque chose en particulier, exemple comme celui-là, l'entonnoir. On peut pas placer de blocs, mais oui, on peut si on s'accroupit. Pour moi, c'est Q, mais pour la majorité, c'est Shift. Vous faites ceci, et voilà. Rien de plus simple. Puis vous pouvez dropper ce que vous voulez. Ensuite, on va faire le coffre, et voilà. Ceci va ramasser toute la pierre qui aura tombé. Comme ici, si on droppe quelque chose, on va le recevoir dans le coffre à la fin. Ensuite, on monte un bloc ici, puis ici, où il y a la neige. Par la suite, une fois ça fini, on entoure ici, jusqu'à l'obsidienne. Même affaire ici. En gros, c'est la même chose pour les deux. Faut que ça donne à peu près 3 ici, puis 3 plus bas. Mais, ça c'est si vous laissez ça ouvert. On va s'en venir. Ensuite, on peut mettre ça en premier, comme on peut mettre ça. On a besoin de deux sources d'eau. Vous avez sûrement deviné qu'une source d'eau ici et une source d'eau ici. Puis il y a la source de lave ici. C'est juste pour que ça soit plus solide. Il y a une source de lave, pas une source d'eau. Voilà. Ensuite, vous mettez la source d'eau en premier, finalement. Quand vous regardez, qu'est-ce que ça va faire? Et voilà, de l'obsidienne. C'est ça que ça fait au contact. Mais là, pour éviter ceci, il faut mettre l'eau en premier et non la lave. Ensuite, vous mettez la lave. Voilà. Parce que qu'est-ce que ça va faire, c'est que ça va tomber. Puis ça aura le temps de tomber. Même s'il continue ici, ça aura le temps de tomber et ne prendra pas en compte la lave. La lave va rester sain et sauf et ne deviendra pas de l'obsidienne. Par la suite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais pas bouger ça, rendu là. Vous avez qu'à boucher le tout. Et voilà, vous avez votre générateur de pierre double. Si vous voulez, vous pouvez toujours faire ceci, exemple. Vu que j'y pense comme ça, là. Vous pouvez toujours faire ceci. Bien sûr, il faut avoir un panneau. En même temps, vous faites ça... En même temps, vous enterrez ça, vous faites ceci. Oups.
Vous faites ceci, puis vous pouvez toujours dropper les items pour faire une poubelle, tout simplement. Ça c'est si vous voulez, là, c'est pas une obligation. Ça c'est, je pense, ça là. C'est un petit supplément, tout simplement. Sinon, sans une autre façon que moi j'ai déjà fait dans un serveur. Tout simplement ceci. L'avantage de ceci, c'est que vous minez comme ça. Attendez un peu, je vais me mettre en game mode 0. L'avantage de ceci, c'est que vous minez comme cela, par le haut. Puis les chances que ça tombe de côté sont plus minimes. C'est sûr, il y a toujours des pertes, comme peu importe le générateur que vous allez faire. Que ce soit normal ou simple ou double. Parce que maintenant, faut dire ça, simple ou double. C'est le même principe. Vous voyez, ça va très rapidement. Là, je suis tombé. En même temps, ça vous arrive, ou peu importe la façon. Vous mettez une échelle. Puis ça va même vous éviter. Ouais. Bien évidemment, ici c'est une map en créatif et non en survie. Et ça même, ça vous évite même de tomber complètement. En gros, vous tombez pas. Là, vous allez tomber. Là, si vous tombez, vous pouvez toujours vous revenir sans problème. Et vous pouvez continuer à miner sans problème. Voyez. Oh, sérieux. On peut pas. Vous avez compris le principe. En faisant ça, vous pouvez même cacher considérablement votre générateur. Considérablement. Faites ceci. Ou tout simplement que ça soit peu visible. Que ce soit au niveau où vous allez vous miner ici, tout simplement. Et la vie est belle. Alors pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous aimez ce concept du générateur de pierre double qui est très efficace. C'est sûr, là, je vais trop vite, mais en temps normal, c'est ça. Même avec une pioche en pierre, c'est assez rapide. Inquiétez-vous pas. Vous n'avez pas besoin de énormément de choses. Vous avez juste besoin de beaucoup de pierre, d'obsidienne, si vous voulez, que ça soit plus résistant. Ici aussi, c'est la même affaire. Attendez un peu. On met de l'obsidienne aussi. C'est vrai que vous pouvez faire ceci sans problème. Mais il préfère de faire ceci. Et comme je disais, vous pouvez vous camoufler. Et si vous avez tombé, vous remontez par l'échelle. Et en ayant un système automatique en plus de ça. C'est-tu pas merveilleux ça? En plus d'un générateur double, un système automatique. Et vous pouvez miner à volonté à l'infini, comme cela, mais beaucoup plus rapidement et efficacement. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Minecraft. Donc, je sais déjà c'est qu'est-ce que je vais faire. Ce sera pas trop long, ce sera pas des mois, voire années. Ça sera dans peut-être le mois prochain, tout dépendant de ce que je fais. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.